ouf, les difficultés sont énormes. Ah, les conditions sont tellement pénibles, pénibles, pénibles. Ça ralentit, ça prend beaucoup de temps. Il a trop d'embêtements, c'est trop. Every people propose that problem. It's not my way, it's not my own. Et si vraiment ça se met en place, ça serait une bonne chose pour nous. The Abidjan-Lagos corridor is an essential socio-economic link of the ECOWAS road infrastructure program, which will later be extended to Dakar. The new 2x3-lane motorway will be 1,028 kilometers long and will cross Nigeria, Benin, Togo, Ghana, and Côte d'Ivoire and connect the major economic centers of the five countries. Si nous arrivons à construire cette route, ça va améliorer et donner une croissance remarquable pour les échanges entre les pays. The Abidjan-Lagos corridor is the flagship project of PIDA, the Program for Infrastructure Development in Africa, which is the African Union Continental Strategy for Infrastructure Development. Nous avons accordé peu d'importance jusqu'à présent à la dimension spatiale. Comment gérer les territoires et comment faire en sorte que les infrastructures sur un territoire servent à faire de ce territoire un espace de densité économique. Et le corridor Lagos-Abidjan constitue un espace à l'intérieur duquel les infrastructures qui vont être mises en place vont permettre d'accélérer le développement régional. The Abidjan-Lagos corridor gives access to 75% of commercial activity in the sub-region, where nearly 45 million people live and travel along the corridor. That is why traffic flow, a high-quality road network, and transport services will form the backbone for local economic and social development. Si tu n'es pas un habitué de la voie là, tu ne peux même pas faire 5 km avec 80 à l'heure. You live to Nigeria, so come to Accra. This is 2 days. 2 days on the 3 days. Il n'y a pas des aides de stationnement en cas de panne. Les gens viennent opérer les camions en pleine route. Ça nous pose d'énormes problèmes. Parce que, comme vous le constatez, ces camions sont stationnés en pleine agglomération, ce qui est source d'insécurité et de nombreux cas d'accidents. La difficulté au niveau du corridor, je pense plutôt que c'est les formalités à réaliser au niveau des frontières. Parce qu'on voit des files de camions qui attendent des heures et des heures. Parce que vous imaginez fouiller un seul véhicule, ce que ça fait en termes de temps, en termes d'efforts physiques à déployer, ce n'est pas facile. Les officiers working along this road with the train to, and there will be harmonized operation in terms of border management. To stimulate economic integration, we must first facilitate the transport of people and goods. This means removing impediments and reducing physical and non-physical obstacles to transport and trade. Ça doit permettre que lorsque vous partez directement de Lagos, que vous pourrez aller directement sur Abidjan sans pouvoir vous arrêter, sauf peut-être quelques postes de sécurité. Et nous sommes convaincus que la construction des postes de contrôle juxtaposés au niveau du corridor va constituer un élément facilitateur, un élément qui apporte une réduction de temps, une réduction de procédures et surtout une réduction de coûts. Que ce soit la police, la douane, les eaux et forêts, toutes les unités ou bien les services qui interviennent sur la plateforme frontalière vont être relocalisés dans ce poste de contrôle juxtaposé. L'intérêt de ce poste, à mon avis, c'est de pouvoir faciliter le trafic et mieux gérer les problèmes de sécurité et d'intérêt des deux pays. The removal of obstacles to the development of intra-regional trade means the improvement of road links to the ports of the countries of the sub-region. Ça veut dire que les navires ont de plus en plus de grande taille, donc amènent à la fois beaucoup plus de fret. Donc il va falloir beaucoup de moyens pour pouvoir acheminer rapidement ces marchandises, pouvoir les mettre le plus rapidement possible à la disposition du client de l'arrière-pays, à moindre coût surtout. Et donc tout dépend de l'état donc du réseau routier. Nous voyons que ce projet, ça va beaucoup apporter à l'Afrique de l'Ouest parce que ça va permettre la transaction des marchandises entre les états, les 5 états qui composent le corridor et
permettre aussi la pénétration des marchandises vers les pays de l'Interland. Now that is looking at the economic and industrial zones that affect this corridor and the corridor in turn affects. So we are using this highway to push the development of all these sectors. And we expect sectors like trade to be boosted by a very significant margin. The construction of the Abidjan-Lagos Corridor Highway project is expected to serve as a catalyst for the development of other key regional economic sectors within our community, including agriculture, health, education, trade, as well as private sector. As part of this economic dynamic, the private sector must play its role both as a participant and beneficiary. So part of our agenda also will be to work very closely with the private sector actors along the corridor to try and see what impediments they are facing and to try and incorporate that into the design of some of the interventions that the bank makes. Bon, en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité de faire valoir le savoir-faire de nos entreprises. I think the word you mentioned, the operative word, was development, because this is what this is all about. And this project is very much in line with our vision, with our mission. Ecobank really welcomes this project, and I think it's timely. It's something that we look forward to, and this is its time. So integration is key to achieving competitiveness, to achieving larger markets, to attract investment in the region. And you see a lot of development. You see developers who come, investors who come and establish that they can ease all business over here. A world-class highway connecting these five coastal countries is going to boom business. Cette route sera d'une certaine rentabilité. Toutes les études montrent qu'elle sera rentable puisque on va y mettre d'abord des postes de paiement et ensuite organiser toute une économie autour. For every $1 you spend on this project, it's going to lead to multiplier effect of maybe $10. $1 will yield like $10. So this is a very, very important project for our region. Mais imaginez-vous que si on réalisait la route directement de Lagos et que nous parvenons directement sur Dakar, ça veut dire qu'il y aura à peu près 12 pays qui seront connectés. Et donc même les pays enclavés bénéficieront de ces routes dont l'infrastructure constitue l'essentiel du problème que nous devons régler pour améliorer l'intégration économique, lutter contre la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes et impulser une véritable croissance dans notre région. For each of the countries involved, the aim of transforming the transport corridor into a high-performance regional development asset will include the following. Reducing transport and road security costs for people and goods. Facilitating multimodal and cross-border trade. Uninterrupted all-weather access to transport and services. Facilitating access to basic social services. Establishing better connections between producer and consumer zones. And improving the business environment. Once in operation and effectively managed by the Independent Management Authority, the ALCOMA, the project will be a crucial lever for the generation of areas of further growth and social development. The growth of regional and continental economic integration. The integration of the region in the world economy. ECOWAS, the African Union, and its financial and technical partners are solidly committed to the successful completion of this major project, which will doubtless benefit all Africans.